Hello, 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 c'est JKB de retour dans City Skylines, épisode 18 de la série Saint-Bernard. Aujourd'hui, on va continuer l'expansion qu'on avait commencé à l'épisode précédent. A savoir que l'épisode précédent, on a rajouté 4000 habitants en rajoutant quelques nouveaux quartiers résidentiels. Donc par exemple, ici, sur ces quelques berges, on a quelques nouveaux quartiers. On a rajouté par ici, tout ça c'est nouveau, c'est fraîchement rempli. On a rajouté quelques bureaux ici. On a ce quartier-ci qui est nouveau et qui s'est très vite développé. Ça fait plaisir voir. Et puis ici, on a le beau cratère qu'un cadeau venu du ciel nous a laissé, puisqu'on s'est pris une météorite sur le coin de la fiole. Et j'ai pas envie de reboucher ce cratère, on en fera quelque chose. À mon avis, il y aura un parc autour à un moment. On va mettre ça en valeur, tant qu'à faire. On va aller avec le courant plutôt que contre le courant. Bien, donc 28 000 habitants. Je vous rappelle, l'objectif est toujours à 32 000 habitants pour pouvoir obtenir un territoire de plus. Et a priori, ce territoire de plus, ça sera celui-ci. Et alors, on mettra certainement une petite communauté supplémentaire. Même si j'ai envie de garder de l'espace quelque part pour quand on pourra mettre un aéroport ou quelque chose comme ça, et ça sera intéressant aussi de faire à un moment ou l'autre une réserve naturelle ou autre forme de parc naturel. Comme on a vraiment de quoi s'amuser avec Parklife, autant en tirer profit. Un petit état lieu, donc oui, 28 000 habitants, une trésorerie qui va toujours très 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 bien. On a un taux de chômage qui est abominablement en bas. Donc les nouveaux habitants seront vraiment les bienvenus. Et idéalement, s'ils peuvent arriver sans qu'on doive ajouter trop de nouveaux emplois, ça serait pas mal. Niveau éducation, on est toujours en capacité, sans problème. Et niveau transport, a priori, ça garde toujours. On a plus de voyageurs, évidemment, autant dans les bus que dans les trains. On a rajouté un service de taxi, ce qui est peut-être très peu, parce que un dépôt de taxi, ça n'a une flotte que de 25 véhicules. Bon, 25 taxis pour 28 000 habitants. Mais bon, on en ajoutera le moment venu. Là, aujourd'hui, je veux augmenter toute la population. Et alors, je vais déjà l'annoncer maintenant, puis je le rappellerai en fin d'épisode. Je vais changer d'horaire dès demain, à savoir que au lieu d'avoir un direct les mardis, jeudi et samedi, on aura un direct le lundi, mercredi et vendredi. Ceci tout simplement pour complètement libérer mes week-ends, parce que bah l'été arrive et il se passe des choses le samedi en journée aussi. Voilà, tout simplement, faut pas chercher plus loin. Alors dans les nouveaux quartiers qu'on a fait, il n'y a pas eu la même attention quant au trajet à pied que ce qu'il y avait dans les précédents. Dans les précédents quartiers, à un moment on avait fait une passe de... Là, ça a ajouté des sentiers piétons un peu partout pour que ce soit plus facile de se déplacer à pied dans la ville. Et je pense que ça serait nécessaire de faire ça dans les nouveaux quartiers qui ont été ajoutés avant de rajouter des quartiers supplémentaires. Donc je vais rajouter quelques allées. Pas grand chose, hein, juste... ouais, déjà ça. On va faire une courbe ici. Voilà. Je vais me désactiver bien ces guides, sauf les grilles. Voilà, ça sera déjà bien. Je vais en rajouter ici. Plutôt comme ça. Comme ça, on ne doit rien casser.
Ici, il y a déjà un passage piéton, donc ça serait pas mal d'en rajouter, disons, comme ceci. Voilà, là il y a eu destruction, mais c'est pas grave, ils le vont reconstruire. Depuis le temps que je leur fais subir ce genre de choses, un peu tout le temps, ils devraient avoir un peu l'habitude. Et puis on va en mettre un direct. Ici, boum. Au milieu, en ligne droite. Ça sera pas mal. Est-ce que j'en rajoute un ici? Oui, peut-être. Ici, on va mettre un sentier en courbe. Bien, de là à là. Pas de décoration pour l'instant autour de ces choses. Je pense que peut-être que je ferai plus tard un épisode vraiment dédié à la décoration. On passera en revue plus systématiquement tous ces petits endroits qui mériteraient d'avoir une petite touche de déco. Ça, c'est bien. On va mettre un ici. Hop, un ici. Comme ça. Pourquoi c'est tout cassé ici? Ah oui, les routes ont été améliorées ici. C'est ça qui m'a cassé mon zonage. C'est bien. Pour remettre le coin. Alors ici j'ai des sentiers piétons, c'est bon. Si c'est pas nécessaire, et par contre là au travers je verrais bien quelque chose. Disons comme ça. Au travers, et ici comme ça me fait un gros pâté aussi. On va en mettre un aussi au travers. Voilà qui est bien. Peut-être un petit en courbe ici. Voilà. Comme dit, ce coup-ci, on fait ça en version bête et méchante et rapide. Sans se prendre la tête. Juste chercher quelque chose d'efficace. Voilà. Voilà. On cherche juste à ajouter des raccourcis, quoi. Et oui, les gens, vous êtes expropriés sous la pluie. On peut pas toujours faire les choses bien. Voilà. Là j'ai un passage piéton, là j'ai un passage piéton. Maintenant il y a un passage direct entre ces deux qui évite de contourner tout le pâté. Et alors ici je peux faire quelque chose comme... disons... comme ça. Et peut-être même relié à ce trottoir-ci. D'ici, se brancher directement. On a rien du tout. Voilà. Voilà qui est bien. Ici, ça mérite aussi un passage direct. Disons comme ça. Et alors, dans le prolongement, on va faire quelque chose ici. Comme ceci. Ici, il me manque un petit carré de zone. Ah oui, ok, d'accord. C'est juste que... c'est du zonage un peu bizarre. Parce qu'il s'est adapté aux courbes comme il pouvait. D'accord. D'accord, on fait avec. Fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Là, j'ai un énorme bloc. Même chose, ça fait un énorme bloc à contourner. C'est horrible.
on va le couper. On va le couper ici aussi. Ici aussi, c'est des gros blocs. On va couper ici. On va couper dans le prolongement. On va couper dans le prolongement. Voilà. Un sentier ici. Puis on va en mettre aussi. Alors, ici, on va faire quelque chose de courbe. Comme ça. Et qui est rejoint à partir de là. Voilà, sans rien détruire. Ça, c'est l'idéal. On va en mettre un ici. Qui va aussi rejoindre par là. Couper ici. Couper ici. Et puis ici, on en mettrait bien un aussi. Qui fait ce genre de choses pour aller directement aux industries, aux exploitations forestières. Bien. Et je pense que ça fait le tour des nouveautés. Ah non, ici je vais peut-être en rajouter aussi quelque chose direct. En plus j'ai un arrêt de bus. Donc ça va ramener un passage direct vers ici, entre l'arrêt de bus et ce collège. Ça sera très bien accueilli, je pense. Et d'ailleurs, il y a déjà des gens dessus. Qui effectivement allaient à l'arrêt de bus. Voilà qui est bien. Bien, donc 4000 habitants de plus. Ici on a, à l'épisode précédent, j'ai tiré quelques grandes routes pour avoir principalement des guides, des axes un peu à suivre. Elles ont été placées par rapport aux routes qui existaient déjà. Comme je disais, l'idée c'est que comme on a le centre qui s'est développé de son côté, et puis les trois villages supplémentaires qui se sont développés de leur côté, en suivant les routes de chacun, bon, on arrive à des rencontres géométriques assez intéressantes. On évite de s'enfermer dans un grillage. Ça, j'ai surtout pas envie de m'enfermer dans un grillage. C'est triste à mourir. Alors on va ajouter de la population. On en a ajouté ici. Je pense que on va ajouter quelques habitations et du commercial quelque part autour ici. Est-ce que j'améliore déjà cette route pour en faire une à plus grand débit? Si je veux installer... J'ai beaucoup de trafic dessus. Non. Pas beaucoup de trafic dessus. Ah, par contre ici, ça clash. Ça clash parce qu'il y a un arrêt de bus ici qui est trop près du carrefour. On va l'éloigner un peu donc. Disons, on va le mettre là. Même chose dans l'autre sens. Comme ça, ceux qui attendent derrière le bus ne bloquent pas le carrefour derrière. Bien, alors ça va être certainement mis à jour de la même manière qu'ici. Parce que là, j'ai un peu plus de trafic. Alors on va faire ça.
On va faire ça les gars, vous n'allez pas aimer. Espace déjà occupé par ceci, qui est commissariat de police, qui va traverser le trottoir. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça, qui va traverser le trottoir, qui va plutôt se décaler sur le même trottoir. Voilà, et on va améliorer ça. Rajouter des voies de circulation, ça permettra d'avoir une plus grande capacité. Ceci, c'est un collège, il va changer de trottoir pour l'instant. J'ai coupé une ligne électrique. J'ai refait une ligne électrique. On peut continuer. Hop. On va continuer sur toute la longueur. Ici, j'ai mon abri qui va être déplacé jusque là. Est-ce qu'il a gardé les routes d'évacuation? C'est ici les routes d'évacuation. Ouais, il l'a mise à jour sans problème. On peut continuer. Espace déjà occupé par un crématorium sur ce trottoir-ci. Et ici on a le dépôt de bus. Le dépôt de bus qui peut très bien aller là. Ça va devenir plutôt quelque chose de service par ici. Et les bus, ça les dérangera pas d'être un peu pollués. Bien. Là on est bon. Est-ce que je poursuis sur toute la longueur ici? Pas encore, mais éventuellement ça passera du 4 voies aussi là-bas. Pour refaire mes zones, tout mon résidentiel ici peut revenir s'installer. Ici c'était du commercial et ça reste du commercial. Ça donnait sur la voie principale. Ça, c'est du résidentiel qui peut revenir s'installer. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Et je vais déplacer le dépôt de taxi aussi, l'amener par ici. Hop, on va. Ici tu peux mettre les guides. Ah, j'ai envie d'être droit. On va se mettre comme ça. Peut-être un peu moins. On va se mettre, disons. Comme ça. Et puis ensuite on va faire une courbe. Ah par contre je suis pas sûr de la largeur d'un dépôt de taxi. Ça en fait 4 de large. Ça devrait rentrer pile poil. Si je fais ceci. Ouais, ça devrait rentrer pile poil. Bien. Est-ce que j'ai de l'eau jusqu'ici? J'ai de l'eau pas partout. Je rajoute de l'eau. Juste là. Je vais déplacer ce dépôt de taxi. Ici. Ah non, dépôt de la voirie. Et donc les dépôts de taxi qui font aussi 4 de large, qui font 3 de large. Je vais mettre un dépôt de taxi alors sur une de ces rues. Le dépôt de taxi ici, je vais le déplacer là. Et puis en ajouter un deuxième à proximité. Et maintenant on arrive à un espace qui peut être exploité pour faire autre chose. Ok, est-ce que j'ai... interrompu l'électricité? Non, ça saute bien d'un côté à l'autre de la route.
Ça c'est bien. Déjà mettre un nouveau dépôt de taxi donc. De taxi. Disons ici. Comme ça on aura 50 taxis. Pour... Ah, la population a pas mal baissé. J'ai une petite vague de décès. Oui, j'ai plus de décès que de naissance. Donc, on peut rajouter ici. Est-ce que j'étais pollué? Je ne suis plus pollué. Donc, on peut rajouter du résidentiel par ici. Et alors sur le long de ces rues-ci, je vais rajouter aussi le résidentiel, ils peuvent s'installer. Là aussi. Là aussi. Hop. Voilà qui me semble bien. Là-dedans aussi. Et puis on va rajouter... On peut continuer à remplir par ici. Continuer quelque part par là. Alors... On va faire une rue qui part par là. Et on peut transformer ça et ça en grand axe aussi, je pense. Ça serait cohérent. Je dois avoir pas mal de circulation dessus d'ailleurs. Ah non! Pas encore. Encore, ça sera amélioré ultérieurement, mais jusqu'ici, il y a peu de circulation. Ah, j'étais juste un petit peu pas assez loin. Donc, petit rond de rue ici dans le prolongement. On peut pas passer sous le chemin de fer ici. Mais par contre, si je viens... en faire une autre ici, là je peux passer sous le chemin de fer et c'est très bien. Je peux ensuite continuer parallèlement à l'autoroute. Là. Ça c'est bien. Ici ça peut se rejoindre. Je pense que ça il va me laisser faire. Exactement. Alors on pourrait dire, oui, mais ça c'est un grillage. Oui, en effet, ça c'est un grillage. Mais... c'est quelque part normal parce que c'est... enfin, c'est du développement planifié quand même. Mais sur base de choses qui n'étaient pas aussi planifiées. Je sais pas si c'est clair quand c'est dit comme ça. L'idée c'est qu'on a... on suit des contraintes qui étaient plus libres, et maintenant on peut quand même décider que là il y aura des routes, et entre ces routes c'est des lotissements, et dans ce lotissement on installe des gens. Voilà, et continuer ça, et peut-être rejoindre cette route-ci. Faire ça, ce genre de choses. On va venir par là, et puis venir par là. Comme ça. Et ici au niveau relief, ça doit être tout à fait bien. Et c'est tout à fait bien. Donc je vais continuer de remplir ici.
Peut-être garder de l'espace. Ouais, on va garder de l'espace libre ici. Dont on pourra faire un parc ou quelque chose comme ça ultérieurement. Bien. Prolonger les lignes d'eau. On a de l'eau pour tout le monde. Tiens, niveau capacité électrique, ah, va falloir penser à rajouter bientôt de la production d'électricité. Je sais pas trop où on pourrait en rajouter, parce qu'idéalement, il faudrait pas tout mettre au même endroit. J'en ai ici, j'en ai ici, j'en ai là. Peut-être qu'à hauteur de Pervent, je pourrais ajouter quelque chose. Enfin, j'ai quelques éoliennes. Mais bon, j'ai quand même 100 MW de marge, ça sera peut-être suffisant pour des résidences. Et puis on remplit tout ça de résidentiel. Tout ça va être du résidentiel. Basse densité. Et ici, le long de la route, on va mettre du commercial basse densité. Puis ici, peut-être pas aussi près que ça. Bien. Et le temps que tout ça s'installe, on va faire des itinéraires cyclables. Parce que là aussi, dans les anciens quartiers, on avait des pistes cyclables. On va prolonger ces pistes cyclables. C'est bien beau d'encourager le vélo, mais faut fournir l'infrastructure qui va avec. Hop, du cyclable jusque là. Voilà, du cyclable qui fait le tour. Ça aussi, je pense que ça va être cyclable. Ça. Voilà. Alors, où est-ce que j'en ai d'autres du cyclable? Ici, j'en ai, donc il faudrait que ceci, ce soit cyclable. Alors je pense que faire ça, je vais mettre ça en cyclable tout le long jusqu'au bout, ça sera très bien. On va accélérer le temps pour que tout le monde s'installe. Venez, venez, installez-vous. Les commerces réagissent vite. Le résidentiel, c'est une autre histoire. Enfin, quoique. Ça va encore. Résidentiel à gogo, là aussi. Le chômage est passé de 3% à 4%, maintenant j'ai de nouveau plus de naissances que de morts. La population va pouvoir augmenter.
Allez-y, allez-y. On va leur mettre peut-être quelques services ici. Disons... Parmi les parcs tout feu. On va en mettre un. Là. Ça devrait couvrir pas mal. Bien. Les histoires de soins de santé, de services funéraires, on est largement en capacité. Est-ce que j'ai une bonne couverture incendie par ici? Non. On va rajouter une unité de pompiers ici. Voilà qui est bien. Couverture policière, on est bon. Ah oui, il fallait que je pense à construire une prison. Bon, on va construire une prison. On va construire une prison, puis on va la mettre un peu à l'écart. Disons... En prolongement de cette route. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme relief ici? Ah... Faudrait que je fasse ce genre de choses plutôt. Bien. Et puis ici on va construire une prison. C'est beau ça. Des hélicoptères de police. Voilà. Ici on va construire une prison. Est-ce que je la laisse de ce côté là? Non. Je vais la mettre de l'autre côté de la rue. Je vais la mettre ici. Parce que ici j'aurai plus de facilité à lisser le terrain. Hop, hop. Pour ne pas se retrouver avec, avec un énorme talus. Allez va. Voilà qui est déjà nettement mieux. Ils ont besoin d'eau à la prison. Ils ont besoin d'électricité à la prison, ils en ont. Et maintenant on a une capacité de 500 prisonniers. Ça va libérer les différents postes de police. Bien, je commence à avoir de la population qui s'installe. Ding ding ding. Installez-vous, installez-vous, posez-vous. Où est-ce que je peux rajouter des gens facilement? Oh, il y a eu un incendie ici. Et ça, il n'y a pas de bâtiment détruit. Ah, c'est que ça suit encore bien au niveau service d'incendie. Peut-être que je rajoute un dépôt d'hélicoptère supplémentaire à un moment. Mais pour l'instant, ça va. Et je vais peut-être rajouter quelques habitations et quelques commerces. Alors ça, ça va se déplacer plutôt quelque part par ici. Voilà, on va rajouter un peu de commercial le long de cette rue. Hop hop hop. Et... Oui, on va même rajouter une petite rue ici, sur laquelle on va mettre encore plus de commercial. Disons, comme ça. Ce qui me fait des zones supplémentaires. J'ai bien de la couverture en eau, c'est bien. On peut les laisser s'installer.
Alors, est-ce que ça fait beaucoup d'emplois en plus? Non, le chômage est toujours à 4%. Quelque part, c'est bien. Ici, ce carrefour-ci me dérange un petit peu. Je pense qu'on va refaire ça. Démolir ici. Et plutôt faire une courbe directe. Donc ici, il y a... Pas aussi loin. Non plus. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et puis on va refaire la route ici. En direct. Refaire les zones résidentielles. Bien. Alors c'est assez désespérant de chercher à atteindre, de chercher à passer de 28 000 habitants à 32 000, et ce faisant, on descend en dessous de 28 000 habitants. Ah là là là, faites jamais ce qu'on vous demande de faire. Bon, on va mettre de l'emploi en plus. Très peu. Remplissons ça, remplissons ça, remplissons ça. Coudrons-nous ceci. Et ici, ça va être du commercial léger. Bien. Alors, jusqu'où va la pollution ici? Faire ce genre de choses. Oui, faire tout simplement ce genre de choses. On va rajouter un petit peu de population ici aussi. Non, ça c'est pas encore nécessaire. Quoique, je pense avoir demandé à construire des industries là. C'est le cas. Donc ici, je peux rajouter de résidentiel. Et ici aussi. Bien, bien, bien. Rajouter des habitations dans ce coin-ci aussi. Ici, la pollution ne doit pas dépasser la rue, je me disais bien. Donc, on va faire... On va faire ici une route. Une route qui part de là. Va tout droit. Disons... Là. Déjà la bitumeuse, d'ailleurs. Faire ça comme ça. Est-ce que je peux avoir une route qui passe en dessous de celle-ci? Oui, je peux faire une route qui passe en dessous de celle-ci. Ça, c'est bien. Disons. Bon, parce que là, je suis bloqué sur mes guides. Disons ici comme ça. Ça c'est très bien. On va faire ça comme ça. On va faire ceci. Voilà qui est pas mal. Tirer une voie sans issue ici.
Et puis là, un petit sentier piéton. Est-ce que je peux déjà le mettre ici? Non. Ça a mort le coin. Tiens-moi les guides. On va le mettre ici donc. Et puis on va en mettre un ici. Voilà, ceci, ça sera aménagé et décoré. Et je vais continuer cette rue, ici, parallèlement au rail. On va rejoindre ce carrefour-ci. Jusque-là, ça doit être pas mal. Une courbe ici, et voilà. Ok, il y a de l'eau. Ici on va mettre du résidentiel. Et ma demande résidentielle est montée en flèche. J'espère que ça sera suffisant pour que ma présence résidentielle monte en flèche aussi. Est-ce que vous allez geindre à cause du bruit du chemin de fer ici? Vous êtes plutôt épargné. Ça va. Ça va. Ouais. On va faire une rue alors. On va faire une rue qui part de là. Rejoint ici. Quasiment parallèle. Alors, la ligne électrique va suivre le chemin de fer plutôt. Voilà. Est-ce que je peux la faire traverser ici? Non. Si je fais ça, ouais. Et ici, elle peut rejoindre la route. Qui me permet de démolir ça. Et qui va me permettre d'installer un petit peu de résidentiel le long de cette rue. Voilà, ce résidentiel. Et puis de l'autre côté, il va y avoir un petit peu de commercial comme il y a de la demande aussi. Voilà. Leur donner de l'eau. Allez-y, installez-vous. Alors ici, c'est dense. Et c'est encore fluide. Alors les gens qui viennent ici, d'où venez-vous? Où allez-vous? Est-ce que pas de véhicule particulier, c'est déjà ça. Principalement des camions, bon, ça va. Ça tient encore le coup, c'est pas un problème. C'est pas encore un problème. Quand ça deviendra un problème, on verra ce qui peut être fait. Ah.
Alors, de ce côté-ci. Là, ça s'est bien rempli. Ça commence à être bien peuplé. Et je commence à avoir du trafic. Donc ça va commencer à être pertinent de déplacer ça, le mettre ici. Agrandir ça. On va donc garder ça avec du cyclable. Voilà, 4 voies, piste cyclable. Ici. Espace déjà occupé par les pompiers qui vont venir là. Là, 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 là. Là. Maintenant, je peux réparer les zones. Voilà qui est bien. Ça, c'est du rien du tout. Ça, c'est du résidentiel. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Bien. Je pense que je peux mettre du résidentiel ici. Là. Là. Peut-être pas plus loin. Bien. Alors, comme on a mis des gros axes, il faut supprimer les feux rouges qui nous ont créés un peu partout pour refluidifier le trafic. Comme je disais, la logique qui est appliquée, c'est que aux intersections entre les grands axes, c'est le plus souvent des feux rouges. Et par contre, quand des rues normales rejoignent des axes, c'est simplement des stops qu'on place pour que l'artère soit prioritaire. Voilà, alors ici, on fait le même genre de choses. Stop là, stop là. Bien, est-ce que j'ai une vague de décès? Pas spécialement. Et le service funéraire devrait s'en sortir. Oh, on peut remplir, on peut continuer à remplir ceci. Peut-être se plaindre du bruit, donc à partir d'ici je vais améliorer l'autoroute pour lui ajouter des barrières. Autoroute avec isolation sonore. Réduire la pollution sonore de cette autoroute. Comme on a un peu du fric à plus savoir qu'en faire, on peut se permettre ce genre de choses. Même se le permettre sur toute la portion d'autoroute qui est dans les limites de la ville. Ok, ok. Ici j'ai personne qui habite, donc ça va. Mais ici je peux continuer. Jusqu'à la ligne électrique. Voilà. Bien, ça circule, c'est fluide, on est revenu à 28 000 habitants.
Il y a de la demande pour le résidentiel, j'ai de la croissance de population. On va leur zoner du résidentiel en plus. Alors que c'est devenu calme ici. Alors, si je continue par là, je peux. Alors, je peux faire ce genre de choses parallèlement à l'autoroute. Je peux passer sous le pont, il se plaint uniquement pour la ligne électrique. Ah, j'ai un pilier là. Et si je veux passer sous le pont, il faudra passer là. D'accord, et de toute façon ici, tout ce qu'il y a à rejoindre, c'est la prison. Dans laquelle on a transféré les prisonniers qui étaient dans les postes de police, donc j'en suis à 107 prisonniers. C'est assez amusant, ils prennent ça de façon assez relaxe, parce que si on inspecte un des prisonniers, on dit qu'il est en visite à la prison. Voilà. Et ils prennent ça relax. Pour moi, non. Je passais par là, j'ai vu de la lumière. Boum. Je casse ce morceau-là. Voilà, et alors ici je vais faire un grillage dans ce sens là plutôt. Voilà, j'ai bien de l'eau. Et bah maintenant, j'ai des résidences. Ok, ici ça va nous faire un petit coin commercial. Là aussi, là aussi, là aussi. Vous pouvez remplir. Et alors là, est-ce que j'essaye de faire passer une route en dessous? Je pense que non. Bon, ça sera une erreur. À la place, ici il voudra pas parce que c'est trop court pour que je fasse un passage à niveau. Là il voudra bien. Donc, espace déjà occupé par ce nœud-ci, distance trop courte à partir d'ici, distance trop courte à partir d'ici. Mais si je pars perpendiculairement, là il accepte. Là, je peux faire ce genre de choses ensuite. Je devrais pas avoir trop de trafic par ici. Alors on va faire ça. Et ça. Suivre vaguement la courbe des rails jusque là. Après ça devient un peu penteux. Ouais. D'ailleurs ça me plaît pas beaucoup la façon dont ça monte ici. On va refaire ça mais en baissant le terrain un peu. Pas grand chose. Voilà qui devrait être assez. Donc j'avais ce genre de choses ici. J'avais ce genre de choses ici. Et puis ce genre de choses ici. Peut-être pas aussi loin. Je suis la courbe.
Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Est-ce que j'ai de l'eau là? Oui. Donc j'avais dit que ça c'était du cyclable. Ça dessus, mais bon. C'est pas nécessaire. Ça c'est absolument pas nécessaire. Voilà qui est bien. Et puis je peux faire. Disons là. Oui, tout simplement, tout droit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout simplement, et ça, je le remplis. Résidentiel. Résidentiel ici aussi. Et de l'autre côté de la rue aussi. Venez, installez-vous. Fluidité moyenne du trafic, ça va encore. J'ai un drôle de hotspot ici. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est parce qu'il y a un stop que vous devenez fou? Si je retire le stop, est-ce que ça s'améliore? Ouais. Ok. Ça, ça va. Et bon, pas perdre de vue que la couleur ça suffit pas, parce que la couleur ça indique la fréquence d'utilisation, quoi, la proportion de temps où la route est utilisée. Alors on est à 30 000 habitants. Ah. On est à 30 000 habitants et ça fait presque une heure que ça tourne. Le 32 000, ça sera pas aujourd'hui. Ça sera demain, puisque oui, petit rappel, maintenant on passe à toujours un rythme de 3 épisodes par semaine, mais c'est pas les mêmes jours, c'est-à-dire que je ferai les directs le lundi, mercredi et vendredi de 17h30 à 18h30, Et puis par la suite, chaque épisode est archivé de toute façon sur YouTube. En tout cas, merci. Merci beaucoup à ceux qui suivent le direct. Merci aussi à ceux qui vont sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir. Je m'y attendais pas, mais ça fait plaisir. Donc, en tout cas, ça motive à continuer. Pas que je m'emmerde, mais bon, ça donne un sens, quelque part, à ce qui est fait. Donc, ouais, presque 31 000 habitants, donc aujourd'hui on a rajouté du piéton dans les nouveaux quartiers qui avaient été rajoutés la dernière fois, on a rajouté ces petits quartiers ici, tout à fait planifiés, bien rectangulaires et dociles, on a rajouté ici une petite poche résidentielle et puis prolonger cette route, ajouter un petit peu de commercial ici sur l'axe, ce qui est pas mal, j'aime plutôt le résultat que ça donne. Et puis on va suivre un véhicule d'entretien à la voirie, parce que pourquoi pas, et je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser en compagnie de ce véhicule de voirie. Ok, oui, merci à ceux qui ont suivi le direct. Pour les épisodes précédents, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne en dessous de... ici sur Twitch, dans la description. Il y a un lien vers la playlist dédiée aux épisodes de la série Saint-Bernard dans la description des vidéos
de Saint-Bernard sur Twitch. On se retrouve pour le prochain épisode exceptionnellement demain. Et puis après on reprend un rythme de d'un épisode tous les deux jours. Merci beaucoup et à ciao, bonsoir.